voir qui est présent parmi nous. Si vous avez envie de vous présenter dans le chat, votre nom, votre organisation, votre région, ça nous intéresse toujours de savoir à qui on parle, à défaut de pouvoir établir le contact visuel avec tout le monde. Bonjour, bonjour. Super intéressant. OK. On a quelques experts, quelques experts présents. Génial. Le fond EcoFuel. Bonjour, bonjour. Particulièrement intéressant de voir quand c'est large clientèle comme ça, c'est intéressant de voir à qui on parle, puis ça nous permet aussi de s'adapter aussi aux besoins. Là. Bienvenue. Je ne sais pas ce que les autres peuvent voir, ce que les autres écrivent. Oui, c'est ça. On me dit que, dans le fond, peut-être dans le chat, ça se fait qu'on écrit à tous les participants et aux panélistes. Parce que si les gens dans le chat écrivent qu'aux panélistes, ce n'est pas disponible pour les participants de voir. Pardon. C'est ça, on a sélectionné tous les conférenciers et les participants. Mmh. Ceux qui viennent de nous joindre, n'hésitez pas à vous présenter sur le chat. Merveilleux. On se dit. On va se faire dans 2 minutes. Tiens, on va dans 2 minutes. C'est bon. Mm-hmm. Ça rentre un petit peu au compte-goutte encore. Super. On a aussi des agents du Fonds EcoLeader. Bonjour. Bonjour Dominique. Bonjour. On a hâte de commencer. Je ne sais plus quel doux visage faire pour avoir l'air naturel. Ça ne fonctionne pas du tout. Toujours un beau sourire. Mmh. Parfait. Je dirais que c'est assez stable au niveau des personnes, des participants qui entrent. Donc, 11h05, je vous invite à bien vous asseoir et assister à cette représentation-là. Donc, on va passer la parole à Amélie Saint-Laurent. Du FAQDD pour amorcer cette présentation sur les technologies propres et le fonds EcoLeader. Bonjour, bonjour. Audrey, je te laisse partager ton écran aussi du même coup. Officiellement, bonjour à tous. Contente de vous avoir parmi nous, malgré ce beau soleil, du moins à Québec. Je ne sais pas de quoi ça a l'air partout dans la province, mais... Bref, on est content de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Bien, c'est un événement particulièrement intéressant. En fait, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous parler en fait, de toutes les options qu'offre le Fonds EcoLeader pour les entreprises qui ont un intérêt particulier pour les technologies propres.
en fait. Technologie Pop, au fond, les corridors ont une place particulière dans notre cœur, notamment parce qu'effectivement, on a une belle cible. Là. On cherche toujours à ce que le fonds les corridors puisse financer là, au moins 35% de ces projets en technologie propre. On sait que les technologies propres sont aussi un moteur économique là, de l'économie verte. Donc, au Québec, c'est en plus de générer plein de bénéfices dont Audrey va vous parler aujourd'hui, bien, on sait aussi que ça permet de faire travailler autant des experts que des manufacturiers, fabricants. Donc, c'est quelque chose qui engendre beaucoup de valeur. Donc, voilà, on est content de profiter de cette semaine de l'économie verte pour vous présenter ce webinaire-là. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vous présente, premièrement, un petit tour d'horizon. Qu'est-ce qu'une technologie propre? On en parle beaucoup. Parfois, on prend ça pour acquis, mais c'est de revenir sur les bases. Voir aussi ce qui se passe au Québec en ce moment, quelles sont les tendances, l'évolution des technologies propres. Ensuite, on va vous expliquer un peu plus, effectivement, qu'est-ce que le Fonds Écolidar peut faire pour vous. Comment il peut vous aider à réaliser vos projets en technologie propre. On aura aussi des exemples, notamment de projets qui sont financés par le Fonds Écolidaire. Et puis, on va terminer ça par une délicieuse période de questions classiques là, via le chat notamment. Donc, je commence par présenter nos conférenciers. Ben, je vais me présenter en dernier. On va commencer par Audrey Sommet, qui est directrice innovation chez Écotech Québec. C'est Audrey qui sera aujourd'hui notre conférencière principale, étant donné aussi le rôle d'Écotech Québec au sein du Fonds Écolidaire. Et aussi le charmant Simon-Pierre Tremblay, qui est chargé de projet au Centre québécois de développement durable, qui s'occupe notamment de l'animation du réseau d'agents du Fonds Écolidaire. Donc, il va nous parler aussi un peu plus de ce réseau. Et puis, mon nom est Émilie Saint-Laurent-Samuel, je suis directrice partenariat et développement stratégique au Fonds d'action québécois pour le développement durable, le FAQDD. Donc, bienvenue. Donc, un petit mot sur le Fonds Écolidaire. Je sais, plusieurs le connaissent, donc on raccourcit de plus en plus les présentations sur la base du Fonds Écolidaire, mais toujours intéressant de se rappeler que le Fonds Écolidaire est une initiative du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, donc gouvernement du Québec. On a la chance au FAQDD d'être le coordonnateur national de l'initiative. Donc, on s'occupe notamment du programme de financement du Fonds Écolidaire, mais bien sûr aussi des communications et la coordination globale du projet. Le Centre québécois de développement durable, représenté aujourd'hui par Simon-Pierre, a vraiment le rôle d'animation du réseau d'agents, travaille aussi sur les outils du Fonds Écolidaire. Et Écotech Québec agit en tant que conseiller en technologie propre, notamment dans le cadre du programme de financement, mais aussi de la formation des agents, puis les questions aux entreprises. Alors, le Fonds Écolidaire, c'est une initiative qui est innovante, c'est un projet qui est structurant, qui a vraiment pour but, qui a été créé pour faire gagner du temps aux entreprises, finalement. On a su, par différents sondages, différentes études, que les gestionnaires d'entreprises voyaient de plus en plus l'importance d'aller vers les technologies propres, d'aller vers les pratiques d'affaires éco-responsables pour des tonnes de raisons, notamment au niveau de la main-d'œuvre, au niveau des réductions des coûts, des demandes aussi du marché. Mais il y a toujours des freins, comme dans n'importe quoi, notamment la question du temps. On sait qu'en période actuelle de pandémie, le temps, c'est rare. Il y a beaucoup de priorités à gérer. Les dossiers peuvent s'empiler, beaucoup d'adaptations. Il y a aussi les ressources financières qui sont très, très importantes pour aller de l'avant dans des projets qui ne sont pas nécessairement toujours au cœur de l'entreprise, mais qui peuvent le devenir. Donc, le Fonds Écolidaire a vraiment pour but là, de faciliter ce passage à l'action-là des entreprises, d'enlever les freins au maximum et puis de pouvoir amorcer ou poursuivre là, des démarches là, en éco-responsabilité. Donc, c'est vraiment un programme qui touche une multitude là, de thématiques. Là. On passe de l'efficacité énergétique à la gestion des matières résiduelles, de l'économie circulaire, la gestion des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre, la gestion de l'eau, l'éco-conception, les bâtiments durables. Et c'est des thématiques pour lesquelles, en fait, on associe une foule de technologies propres aussi. Donc, il y a beaucoup d'options.
Le Fonds Écolidaire, c'est trois leviers principaux. Un réseau d'agents qui sont partout dans la province, donc à chaque région, son ou ses agents, qui ont vraiment comme objectif, encore une fois, de tout de suite vous faire gagner du temps, de vous présenter tout de suite les meilleures ressources possibles et les meilleurs outils pour vous, de vous inspirer aussi. Donc, c'est vraiment des acteurs clés qui sont disponibles pour les entreprises. Un programme de subvention de 18,5 millions. Je vais vous en parler dans quelques instants là, au niveau de la progression pour les technologies propres. Donc, c'est un programme qui est facile d'utilisation. On voit déjà que plusieurs projets qui ont été déposés par les entreprises sont déjà terminés. Les bénéfices sont intéressants. On voit que les entreprises veulent aller de l'avant suite à leur premier projet avec le Fonds Écolidaire. Donc, on voit vraiment que c'est un maillon intéressant là, dans l'écosystème actuel. Et puis, une plateforme web avec des ressources, des exemples. Et bientôt, viendra la refonte de la plateforme là, pour encore plus d'intérêt pour l'utilisateur. Donc, je vous invite à suivre ça. Bon, un petit mot, parce qu'on aime toujours savoir où est-ce qu'on en est, sur le programme de financement et les technologies propres. Donc, vraiment, pour le volet technologie propre, en ce moment, le programme a permis de financer 83 projets. Donc, et les projets sont déposés encore à tous les jours, à toutes les semaines. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a 7 projets de cohorte, donc vraiment des projets de groupe où il y a un coordonnateur avec différentes entreprises qui ont les mêmes objectifs, qui ont les mêmes enjeux. Donc, 7 projets de cohorte parmi tous ces projets-là, pour un total là, de 1,8 million de dollars engagés. Ce que j'aimerais vous rappeler, c'est que le Fonds Écolidaire n'est pas un fonds en implantation de technologie propre. Donc, c'est vraiment les études préalables à l'implantation. C'est vraiment toutes les informations qui peuvent permettre d'éclairer la prise de décision. Quelles sont les technologies qui sont les meilleures pour vous? Quels sont les choix les plus intéressants? Quels sont les coûts, les périodes de retour sur investissement? Quelles sont les étapes pour y arriver? Donc, c'est un montant en termes d'études qui est assez conséquent. En ce qui a trait aux projets qui ont été déposés, le secteur d'activité qui se démarque particulièrement en termes de nombre de projets, c'est le secteur de la fabrication, donc le secteur manufacturier, mais aussi le secteur de l'agriculture et de la foresterie. Il y a les services immobiliers avec toute la question des gestionnaires de bâtiments qui veulent justement repenser en termes de technologie propre leurs infrastructures. Et puis les services professionnels, mais on compte vraiment des projets là, dans tous les secteurs d'activité. Dans le cadre du programme de financement, il y a des études et des plans d'action, mais il y a aussi la catégorie accompagnement. Donc, la catégorie qui se démarque, c'est beaucoup ce qui est tout un projet d'études, de diagnostic et justement de plan d'action. Puis au niveau des thématiques, bien, la thématique forte, c'est l'efficacité énergétique et les bâtiments durables, qui est fortement associée, bien sûr, mais aussi à la gestion des émissions de gaz à effet de serre, la gestion de l'eau, la gestion des matières résiduelles, donc et certaines études ou certains projets touchent plusieurs de ces thématiques en même temps. Donc vraiment, ce qu'on voit, c'est que c'est un programme qui permet de faire le premier pas, puis vraiment après ça, d'aller dans une démarche d'implantation. Je vais passer la parole à Simon-Pierre qui va nous parler un petit peu du réseau d'agents et comment il peut vous être utile. Merci beaucoup, Amélie. Donc, comme mentionné, je vais vous parler d'un des leviers importants, sinon central, du programme du Fonds Écolidaire, c'est-à-dire le réseau des agents, ainsi que les différents outils qui sont offerts aux entreprises à travers le Fonds Écolidaire. Le réseau des agents, c'est vraiment le cœur puis le moteur du Fonds Écolidaire. Donc, on parle ici d'une équipe de plus de 18 professionnels multidisciplinaires œuvrant en développement durable qui sont présents dans les 17 régions administratives du Québec. Les agents sont respectivement hébergés dans des organisations hautes en tout genre. On parle ici de OBNL en environnement, de chambres de commerce, ainsi que d'autres organismes de développement économique. Le point en commun de ces organisations-là et pourquoi elles ont été choisies, c'est qu'elles sont très bien intégrées à leur milieu régional et qu'elles occupent une place de choix dans l'écosystème régional d'entreprise. Cela permet aux agents d'approcher et d'accompagner un maximum d'entreprises dans leur démarche en développement durable tout au long de leur mandat. Donc, lorsqu'un agent approche une entreprise ou qu'une entreprise contacte un agent, elle bénéficie non seulement de l'expertise individuelle de cet agent-là, mais également de tout le savoir-faire et l'expérience de ses
17 et 18 autres pairs et des organisations autres qui les hébergent. Donc, on peut à ça ajouter l'expertise et l'expérience des quatre grands partenaires mentionnés précédemment, soit le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le Fonds d'action québécois pour le développement durable, Écotech Québec, ainsi que le Centre québécois de développement durable. Donc, plus précisément, le mandat de l'agent, c'est de faire la promotion du Fonds Écolidaire, mais d'orienter les entreprises vers les ressources appropriées afin de les soutenir dans l'adoption de pratiques d'affaires éco-responsables et de technologies propres. Pour sa part, l'animateur du réseau, le Centre québécois de développement durable, est responsable d'assurer une dynamique collaborative entre les agents, en plus d'appuyer les organismes et, dans l'accomplissement de leur mandat. Plus spécifiquement, le CQTD est amené à former, conseiller, outiller les agents du réseau quant aux ressources qui sont disponibles. Donc, concernant ces ressources-là, on peut passer à la diapositive suivante. Donc, les quatre principaux outils qui sont offerts aux entreprises et qui sont promis par les agents sont les suivants. Donc, on compte un répertoire de plus de 330 experts en pratique d'affaires éco-responsables et technologies propres. Nous présentons également une liste de 140 programmes de financement permettant l'adoption de celles-ci, dont 44 programmes régionaux, 70 provinciaux et 28 fédéraux. C'est important de noter que la mise à jour est faite en continu de tous ces outils-là et de ce répertoire d'experts-là pour s'assurer d'offrir l'information la plus juste aux entreprises qui consultent notre plateforme. Nous avons également une liste de 200 outils de gestion en développement durable. Pour terminer, notre plateforme fait la promotion de codes d'entreprise leaders qui mettent en lumière des pratiques d'affaires inspirantes en développement durable et en technologie pop. Nous invitons donc toutes les entreprises puis les participants à ce webinaire à visiter le site fondsecoleaders.ca pour plus d'informations. Donc, parlant d'entreprises ayant adopté des pratiques d'affaires ou des technologies propres, je cède la parole à ma collègue Audrey Sommet d'Écotech Québec qui va vous dresser un portrait des technologies propres au Québec, les bénéfices qui y sont liés, ainsi que la présentation de projets financés par le Fonds Écolidaire en technologies propres. Merci. Merci beaucoup, Simon-Pierre. Merci, Amélie, pour la bonne introduction. Et merci à vous tous d'être présents aujourd'hui, en fait, pour écouter un petit peu le webinaire sur les technologies propres. Je vais commencer par vous en dire un peu plus sur l'économie verte au Québec. C'est en effet un secteur extrêmement dynamique. Vous devez le savoir parce que j'ai vu dans le chat que plusieurs d'entre vous participaient, contribuaient en fait au dynamisme de cette économie verte. Mais le point que je voulais aborder, c'est que c'est vraiment un secteur en croissance, puisque si on regarde les revenus tirés de la vente de biens et services entre 2017 et 2018, on voit qu'ils ont bondi de 55%. Et en fait, le but de ce webinaire, c'est vraiment de vous montrer comment le Fonds Écolidaire peut amener à avoir un bond encore plus supérieur pour les années à venir. Écotech Québec, tout simplement, on est la grappe des technologies propres du Québec. C'est la raison pour laquelle je vous parle ce matin. Notre but, c'est d'accélérer le développement, la commercialisation et l'utilisation de technologies propres innovantes en mobilisant tous les acteurs de l'écosystème. Je m'arrêterai là pour aujourd'hui parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter notre site internet, bien sûr. Comme on l'a dit, aujourd'hui, ça va être très simple. On va parler un peu de technologies propres, surtout faire un tour d'horizon de ce qui existe, de leurs bénéfices qui peuvent être apportés à des organisations telles que la vôtre. On va parler du rôle du Fonds Écolidaire dans les projets de technologies propres. Puis, on va arriver à la partie que je préfère, qui est la partie d'exemples de projets financés. Donc, on va faire un tour d'horizon des projets. Vous allez voir, on l'a fait par thématique. Donc, selon le secteur industriel que vous représentez ou que représentent vos clients, vous allez voir les exemples de projets applicables. Tout d'abord, commençons par la définition d'une technologie propre. Selon le Fonds Écolidaire, c'est un bien, un matériau, un équipement, un produit qui a deux effets. Le premier effet, c'est qu'il réduit les impacts environnementaux. Et le deuxième, c'est qu'il augmente les impacts économiques et sociaux. Fait que si on résume, les innovations vertes, ça vise à être à la fois écologiquement efficace en réduisant les impacts sur l'environnement, économiquement avantageuse en offrant des bénéfices opérationnels et commerciaux qu'on va voir tantôt, et puis socialement responsable en contribuant à une meilleure qualité de vie et une amélioration de la santé, ce qui en période de pandémie n'est bien sûr pas négligeable. Au niveau des TPE au Québec, je vous ai montré la diapositive de l'économie verte en général. Là, on parle vraiment d'un portrait des technologies propres plus ciblé, avec 350 entreprises qui sont pure players, donc qui sont vraiment dans le domaine. Ça représente près de 9 000 emplois et près de 1 milliard de revenus annuels.
Et ces entreprises sont vraiment dans des secteurs très divers. Donc, vous voyez à droite de la diapositive le pourcentage d'entreprises qui sont identifiées dans des secteurs tels que l'énergie, l'écomobilité, l'eau, l'air, le traitement des sols. Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a environ des centaines d'innovations vertes au Québec qui sont applicables à peu près tous les secteurs et tous les domaines industriels. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que 2/3 des entreprises québécoises disent utiliser une technologie propre déjà. C'est un pourcentage énorme, mais c'est un pourcentage qu'on voudrait amener à 100% d'ici les prochaines années. En tout cas, c'est notre but pour lequel on travaille matin, midi et soir et pour lequel on espère vraiment que le fonds EcoLeader va nous aider. Si on passe un peu aux bénéfices des technologies propres, pourquoi est-ce qu'il y a 2/3 d'entreprises qui adoptent ces technologies propres? C'est parce qu'il y a des attraits nombreux. Le premier auquel on peut penser, c'est justement une réduction de coûts, parce que réduire les impacts environnementaux, ça va souvent avec réduction, par exemple, des déchets ou réduction de l'énergie qui est associée à différents biens ou différents services. Ça a aussi l'effet d'améliorer les performances techniques, parce que les technologies propres sont, comme leur nom indique, technologiques. Donc, en général, on a une grande compétitivité qui leur est associée, puis une grande amélioration de la performance. Ça augmente également la pérennité, la durabilité, puisque c'est dans leur ADN en fait, d'être durable pour minimiser les impacts. Puis on a aussi toutes les autres bénéfices qui sont un peu plus intangibles, comme l'instauration d'un climat d'innovation, l'attraction de talents, la rétention de personnel. Vous allez le voir dans les exemples qu'on va vous montrer tout à l'heure. Mais l'instauration d'une technologie propre, ça a vraiment pour effet d'améliorer les conditions de travail ou de retenir du personnel quand on sait que beaucoup d'employés souhaitent maintenant que leur employeur se positionne sur des questions de développement durable. L'adoption d'une technologie propre, ça peut être quelque chose qui peut vous aider en fait, à atteindre cet objectif. Ça permet aussi l'amélioration de l'image corporative. Par exemple, beaucoup d'entreprises qui ont adopté des technologies propres se sont vues distinguer lors de concours ou lors d'articles qui leur étaient consacrés pour justement bénéficier de cette adoption. Et puis enfin, ça permet un positionnement accru dans la chaîne de valeur, tant en tant que client qu'en tant que fournisseur, pour toutes les raisons que j'ai citées tantôt. Alors, les motivations des entreprises pour justement adopter des technologies propres, c'est principalement des motivations monétaires avec une économie de coût, des motivations marketing également, parce que ça augmente le positionnement concurrentiel. Il y a également des motivations de conformité, avec par exemple se conformer à des programmes de responsabilité sociale, voire à des conformités réglementaires. Et puis, des motivations liées aux parties prenantes qui prennent de plus en plus de place en fait, à l'heure actuelle. Les barrières à l'adoption, bien sûr, existent. La principale, c'est le manque de budget. C'est vrai que les technologies propres sont parfois un peu chères à l'adoption, même si elles ont d'énormes bénéfices. C'est aussi pas une priorité de la direction parfois, donc manque de vision. Et des technologies qui sont à la fois trop risquées et non prouvées. Donc, c'est sûr que les technologies propres, comme elles sont à la pointe de l'innovation, des fois, elles ont peut-être une gestion des risques qui est différente de technologies plus dites classiques. Et c'est justement dans ce but, je vous dirais, que le fonds EcoLeader a été créé, et le but qu'il dessert. Le fonds EcoLeader, Amélie en a déjà bien parlé, mais je me permets de vous faire une petite piqûre de rappel. C'est vraiment 3 leviers pour aider les entreprises, donc un réseau de 18 agents que Simon-Pierre a présenté, une plateforme web avec des ressources et des exemples, et une enveloppe financière de 18,5 millions. Dont 35% sont réservés en fait aux technologies propres. Fait que le but du fonds, dont vous voyez une capture d'écran du site web que je vous encourage à aller consulter après la présentation, c'est vraiment de financer des initiatives préparatoires à l'adoption de technologies propres. Qu'est-ce qu'on entend par initiatives préparatoires? En fait, je vais vous en parler quand je vous parle des montants financiers admissibles. C'est principalement des études, des plans d'action qui ont pour finalité l'acquisition potentielle d'une technologie propre. Donc, c'est études de faisabilité, plans d'action, préparation de plans et de devis, etc. Il y a aussi des services d'accompagnement additionnels qui peuvent être financés à hauteur de 15 000 $, sachant que la réalisation d'études peut aller à un maximum de 35 000 $. Et en fait, on a 50% de fonds qui viennent du fonds EcoLeader, 25% de contributions privées, puisque en fait, on peut aller chercher d'autres contributions publiques hors ministère de l'économie et de l'innovation. Je ne m'attarde pas trop sur cette slide parce qu'il y a des modifications à venir dans ces paramètres de ces montants financiers. Et donc, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à vous abonner à notre infolettre pour en savoir plus lorsqu'ils seront dévoilés. Pour vous en savoir plus sur le déroulement du processus d'octroi, c'est un processus qui est relativement simple et rapide, je vous dirais, puisqu'entre le dépôt de votre demande avec le formulaire, votre soumission, puis tous les documents financiers associés,
Et l'analyse, il doit s'écouler que 4 semaines. Donc, vous avez une réponse assez rapide pour savoir si votre projet est accepté ou non. Et je vous dirais qu'à date, on a quand même un haut taux d'acceptation des projets. Donc, si vous souhaitez déposer une demande ou déposer une demande pour un de vos clients, je vous dirais de le faire parce qu'on a vraiment des mécanismes en fait, qui permettent d'analyser la demande très rapidement. Et s'il manque des documents ou si on vous demande de resoumettre la demande, c'est quelque chose qui peut se faire aussi très, très rapidement et facilement. Une fois que la demande est acceptée, vous pouvez commencer le projet. Il n'y a pas de durée limite entre le début et la fin du projet. Nous, en fait, ce qu'on attend juste pour verser la moitié des fonds, c'est de signer l'entente initiale. Et puis, pour verser les fonds restants, c'est qu'on nous donne le rapport final, en fait, avec le rapport final et différents livrables. Une fois qu'il est conforme, on vous verse les 50% restants et on vous autorise en fait à déposer une demande, nouvelle demande. Donc, il n'y a pas de limite non plus de demande que vous pouvez faire tant que vous satisfaisez aux conditions du programme. Ça faisait le tour pour la partie un petit peu, je dirais, théorique du fonds Ecolider. Maintenant, ce que j'aime vraiment présenter, c'est les exemples d'études et des cas succès qui seraient admissibles pour vos organisations, pour votre secteur. On va y aller par secteur, justement. Donc, on va faire le secteur de l'hôtellerie-restauration, le secteur manufacturier industriel, le secteur agricole, les bâtiments commerciaux et les immeubles de bureaux, et puis la logistique et mobilité. Donc, vous allez un peu voir des exemples de projets pour chacun. Quand on commence par le secteur de l'hôtellerie-restauration, ce qu'on a vu beaucoup, en fait, dans les projets, c'est l'analyse énergétique des équipements. Par exemple, si vous êtes un camping, vous avez des piscines, vous avez des spas, une microbrasserie, vous avez des équipements de cuisine. Le fonds Ecolider en fait, peut vous aider à faire le bilan énergétique de vos installations. Pour un hôtel, ce serait plus faire l'analyse de ses buanderies, de ses restaurants ou de ses systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, les systèmes CVCA. Et en fait, ce que ça vous permet, c'est d'avoir un portrait précis de votre consommation électrique ou énergétique et de savoir un petit peu c'est quoi les équipements qui prennent le plus d'ampleur et comment on pourrait essayer de les remplacer ou en fait de les optimiser, d'avoir des mesures d'économie d'énergie qui seraient intéressantes. Ce qu'on peut faire aussi avec le fonds Ecolider, c'est évaluer les occasions d'acquisition de technologies propres. Par exemple, si vous avez toujours rêvé d'installer une hôte carbone neutre, mais si vous vous demandez si ce sera vraiment efficace, le fonds Ecolider serait là pour vous aider à financer l'étude qui va vous permettre de savoir si oui ou non c'est intéressant d'avoir une hôte chez vous ou d'avoir une chaudière efficace ou encore d'avoir un robot de compostage, qui va composter tous vos déchets et vous permettre en fait, de sauver sur votre gestion des matières résiduelles. Preuve par l'exemple, on a l'épicerie-boucherie Relais Saint-Gelais qui voulait savoir si c'était possible d'installer une serre sur le toit qui serait chauffée à leur rejet thermique. Parce qu'en fait, cette épicerie fait aussi restaurant et a aussi donc des fours qui sont pour l'instant en fait à chaleur perdue, vu que la chaleur est juste rejetée dans l'environnement. Ils voulaient savoir si la chaleur de ces fours pouvait être utilisée pour chauffer la serre sur le toit et pour savoir si le toit aussi, justement, allait supporter une telle structure, puisque vous le savez tous, une serre, c'est plutôt lourd. Donc, les bénéfices associés, c'était vraiment réduire les coûts de production des légumes, puisqu'ils seraient produits directement en fait, dans l'épicerie, ou plutôt sur l'épicerie. Au niveau environnemental, ça permettait de valoriser les rejets thermiques et aussi de diminuer les émissions de transport, puisque les légumes n'allaient plus être transportés d'ailleurs, mais allaient plutôt être produits sur place. Et puis, en fait, au niveau social, ça permettait aussi de renforcer l'autonomie alimentaire, parce que justement, on ne pouvait pas dépendre des livraisons, mais produire des légumes au jour le jour, je dirais. Donc, c'est un projet qui est en cours. L'étude de faisabilité était vraiment intéressante pour déterminer si les rejets étaient suffisants ou s'il fallait adjoindre une source d'énergie potentielle. Et ça a été un projet extrêmement intéressant, en fait, parce que ça a vraiment étudié tous les paramètres pour l'installation d'une serre sur le toit. Si on passe maintenant au secteur manufacturier industriel, ce qu'on voit beaucoup, c'est des bilans de consommation de l'usine. Donc, des bilans en eau, des bilans en énergie ou des bilans en matières résiduelles pour savoir c'est quoi les matières, où est-ce qu'on va les chercher, qu'est-ce qui serait les potentiels pour les optimiser ou pour diminuer leur impact. On a également des évaluations d'acquisition de technologies propres. Encore une fois, si on a une technologie de recyclage des eaux qu'on veut mettre en place, le fonds Ecolider peut aider au financement. Si on a une technologie où on veut changer les équipements efficaces, changer ses éclairages, changer son chauffage, on a même eu une entreprise qui voulait changer son système de refroidissement et qui voulait voir un petit peu c'était quoi les équipements les plus efficaces pour diminuer son impact. Ça, c'est toutes des analyses de projets qui sont admissibles au fonds Ecolider et pour lesquelles on a déjà eu des projets acceptés.
On a aussi tout ce qui est un peu plus analyse technico-économique. Par exemple, des projets de récupération de chaleur dont j'ai déjà parlé, mais là, c'est plus à l'étape industrielle. Donc, justement, si on voulait avoir la récupération de chaleur dans l'usine pour en faire autre chose, c'est des projets d'analyse qui sont admissibles au fonds EcoLeader ou des projets d'acquisition d'une technologie de transformation d'un déchet. Par exemple, vous avez un déchet qui peut être du sable vitrifié. Vous voulez en faire quelque chose, un nouveau sous-produit, et vous vous demandez si ce serait intéressant d'un niveau économique, si vous auriez des clients pour ce genre de sous-produits que vous allez valoriser ou si en fait, vous avez des chaînes d'approvisionnement qui sont capables d'absorber ce produit, bah, le fonds EcoLeader peut vous aider en fait, à subventionner l'analyse de ce genre de projet et vous aider à mettre de l'avance ce nouveau produit qui vient d'un déchet normalement. Justement, Dundee Sustainable Technology a fait réaliser une étude d'efficacité énergétique et a identifié 12 technologies propres potentielles à mettre en place dans son usine pour justement réduire sa consommation énergétique. Donc, on aurait des économies estimées de 20%, 20,4% si on met en place ces 12 technologies propres. Et on a une réduction des émissions de GES aussi qui est associée à ces économies d'énergie, d'électricité. Et là, je dois préciser que quand on entend technologie propre, on voit tout de suite quelque chose qui est gros. Mais dans ces 12 technologies, il n'y a pas nécessairement en fait, des choses qui permettent de rechanger l'usine au complet. Ça peut être aussi simple que la modernisation de l'éclairage ou que l'installation d'un chauffage à air ambiant ou d'un chauffage radiant ou l'installation de petites en fait, technologies qui permettent quand même d'avoir un gros impact à la fin de la journée lorsqu'on parle d'économie d'énergie et de justement optimisation énergétique. Si on passe au secteur agricole, encore une fois, on peut avoir l'analyse des installations, donc l'analyse énergétique, l'analyse un peu de l'air, c'est un peu plus de la ventilation en fait, ou de l'installation de la consommation en eau. Où est-ce qu'on consomme le plus en eau ou où est-ce qu'on pourrait réduire la consommation en eau? Encore une fois, on a les évaluations d'acquisition de technologies propres, surtout pour les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation. Et on a des systèmes en fait, d'évaluation d'acquisition d'énergie renouvelable. Donc, si vous avez toujours voulu installer un système géothermie, des panneaux solaires ou un système éolien, c'est le moment en fait, d'appliquer pour une subvention du fonds EcoLeader parce que ça peut vraiment vous aider à réduire les coûts pour savoir comment installer ces systèmes. Est-ce que c'est faisable? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est quoi les subventions admissibles l'étude finie pour vous aider en fait, à financer votre projet? Donc ça, c'est vraiment des études qui sont très intéressantes. On a aussi des études de faisabilité en production de gaz naturel renouvelable qu'on voit de plus en plus. Donc, si vous avez un projet de biométhanisation que vous souhaitez mettre en place, le fonds EcoLeader peut encore une fois vous aider en fait, à prendre 50% de vos coûts pour aider à ce genre de projet. Justement, la ferme COP Point du Jour a fait appel au fonds pour financer une étude sur la conception d'un puits géothermique pour chauffer sa nursery, je n'ai pas le mot exact qui vient en tête, mais vous voyez dans la photo, en fait, c'est là où les poulets sont élevés et là où ils mangent finalement. Donc, le puits géothermique visait les systèmes de chauffage de la ferme et également ce système de... Ça y est, je viens de retrouver le mot, c'était très simple, c'était le système du poulailler. Donc, ça aide en fait à financer ce programme de chauffage. Pour des réductions estimées des coûts de chauffage de 65% et des coûts d'eau chaude de 45%. Et ce que ça vient faire aussi, c'est que ça vient totalement éliminer l'utilisation d'énergie fossile. C'était très important pour la ferme d'avoir une démarche de développement durable au complet. Et le projet a permis vraiment de déterminer que si on installait un puits géothermique qui était correctement dimensionné, ça permettait d'éliminer totalement l'utilisation d'énergie fossile. Au niveau de la mobilité durable, le fonds EcoLeader peut également vous aider si vous souhaitez entreprendre des projets de conversion de la flotte vers des véhicules 100% électriques, voire hybrides, ou il peut vous aider aussi à analyser la capacité électrique pour installation de bornes de recharge. On a justement signé Garneau Paysagiste, qui a fait une étude qui visait l'installation de 10 bornes de recharge et l'acquisition de 4 véhicules électriques. Donc l'étude en fait, permettait de voir si les installations électriques étaient suffisantes pour supporter cette recharge et quels véhicules électriques étaient les plus intéressants à remplacer dans toute sa flotte. Les bénéfices estimés étaient de plus de 14 000 $, principalement en réduction de coûts de carburant et d'acquisition, en fait, puisqu'un véhicule électrique a moins besoin d'entretien qu'un véhicule thermique.
Bien sûr, ça a amené aussi une diminution des GES. Et ce qui a été mentionné, c'est que ça pouvait aussi aider à la rétention de main-d'œuvre, puisque en fait, les entreprises, les employés étaient vraiment intéressés par ce nouveau projet qui était très fédérateur pour eux, d'avoir des bornes de recharge et des véhicules électriques sur leur lieu de travail. Passons au dernier, au nombre le moindre, c'est le bâtiment durable qui rassemble un petit peu tous les secteurs dont on a parlé, puis qui rassemble surtout tous les enjeux qu'on peut voir en technologie propre, donc l'air, l'eau, les matières résiduelles, l'énergie, la mobilité durable. Et l'avantage des bâtiments durables, c'est qu'on veut vraiment aller travailler sur plein d'aspects. On peut faire des bilans de consommation énergétique, on peut faire de l'analyse des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, les systèmes CVCA, que j'ai déjà mentionné. Et on peut également faire des évaluations d'acquisition de technologies propres qui sont assez variées, puisqu'on peut installer des panneaux solaires sur les toits, la géothermie en sous-sol, des systèmes de récupération d'eau à la fois dans les stationnements et en fait sur les toits également. On peut aller chercher des murs végétaux, on peut améliorer l'isolation et on peut améliorer la ventilation. Donc vraiment, au niveau des bâtiments, c'est très large les possibilités qui peuvent être mise en place et le fonds EcoLeader peut vraiment accompagner en fait lorsque l'étude ou lorsque l'entreprise veut faire une évaluation d'acquisition de ces technologies propres pour savoir lesquelles sont les plus adaptées. Un des beaux exemples qu'on a, c'est justement l'Union québécoise de restauration des oiseaux de proie qui veut installer un bâtiment, le bâtiment Chouette à voir, qui serait un bâtiment durable à haute performance énergétique ouvert à l'année. Donc, en fait, elle a fait appel au fonds EcoLeader pour aider dans le financement de la conception de l'étude pour ce bâtiment durable. Ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est que ça a permis de montrer qu'il y avait une réduction estimée des coûts d'électricité de 70%. On pouvait aussi avoir des impacts environnementaux très conséquents avec l'élimination de 99% des GES due à l'élimination justement du combustible fossile et à la réduction de 40% de la consommation d'eau dans le bâtiment. Ce que ça permettait de démontrer aussi, c'est qu'il y avait une augmentation de la pérennité de cet organisme parce que justement le bâtiment serait ouvert à l'année avec toutes ces belles technologies, ce qui n'aurait pas pu être fait en fait avec des technologies classiques parce que ça coûtait trop cher à les mettre en œuvre. Donc là, on a vraiment un cas succès qui a à la fois des impacts économiques, écologiques et sociaux qui sont vraiment très bien illustrés. En conclusion, ça fait le tour un petit peu de ce qu'on voulait vous présenter comme exemple ce matin. Je vous laisserai avec ces paroles qui sont que les technologies propres au Québec représentent des centaines d'innovations dans tous les secteurs industriels, comme vous l'avez vu, et elles apportent des bénéfices concrets et immédiats aux entreprises qui les adoptent. Et que le fonds EcoLeader, c'est justement un outil, un levier en plus pour permettre aux entreprises d'augmenter leur compétitivité puis d'accélérer l'adoption des technologies propres. Donc, je vous invite vraiment à utiliser. Je vous laisserai, avant d'aller avec la période de questions, avec l'information qu'on a un nouveau webinaire qui s'adresse plus aux cohortes, justement. Donc, comment monter un projet de cohorte d'entreprise, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les cohortes. Ça se passera le 10 juin à 10h30 sur Zoom. Je vous invite à vous inscrire. Et je vous laisse en fait avec... je vais rester là, mais Amélie va animer la période de questions, puis je vais essayer d'y répondre de mon mieux. Merci pour votre écoute. Reste parmi nous, Audrey, on t'aime. J'en profiterai aussi, un autre événement qui est à venir et comme on va avoir l'occasion de le promouvoir là, un peu à l'avance, Évolution Laval aussi, un événement là, organisé notamment par la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, dont le Fonds EcoLeader est grand partenaire, donc les 7, 8 et 9 juin, pour voir comment votre entreprise peut contribuer à la nouvelle économie durable. Donc, je vous encourage à aller jeter un petit œil à cet événement parce qu'il y a une belle programmation. Donc, voilà. Donc, effectivement, comme Audrey le mentionnait, on passe à la période de questions. Je vous encourage à écrire votre question simplement sur le chat et puis je vais tenter de l'orienter vers la meilleure ressource possible, tout simplement. En fait, on a une première question un peu plus d'ordre pratico-pratique pour les participants. Donc, je pose un peu la question à Audrey. Moi, pour ma part, je n'ai pas d'objection. Là. C'est sûr que c'est plus dans le cadre de la semaine d'économie verte d'Écotech, mais moi, je n'ai pas d'objection à ce qu'on envoie à notre liste de participants un lien pour l'enregistrement du webinaire, tout comme une copie de présentation.
Tout à fait, oui. Oui. La présentation sera disponible après. Oui. Génial. On peut peut-être même le mettre sur notre chaîne YouTube. Mm-hmm. Alors, voilà, on vous tiendra au courant de ça. Je vois une question par rapport aux cohortes. En fait, une cohorte dans le cadre du Fonds Incubateur, vous le savez peut-être, le programme de financement du Fonds Incubateur comporte deux volets. Donc, le volet 1, donc projet individuel, donc une entreprise dépose un projet en pratique d'affaires éco-responsables ou en technologie propre et en fait dépose en même temps, bien sûr, la... Oh. Je me demandais si c'est vrai que... classique. Le volet 2, c'est le volet 3. Oh, ça, il y a des petits problèmes. De... Oui, je pense que tu vas devoir répéter ce que tu souhaitais dire parce qu'on a eu des petits problèmes de... Ah, bon, mon Internet fait défaut, malheureusement. Toutes mes excuses. C'est des problèmes, je suis avec ma caméra, tout simplement. Là. Donc, volet 1, au fond, un corridor plus classique, une entreprise dépose un programme un projet en technologie propre, en pratique éco-responsable par elle-même, travaille avec un expert. Et le deuxième volet, c'est le volet cohort, donc un coordonnateur de projet qui peut être une entreprise d'économie sociale, notamment un expert, ou un regroupement d'entreprises qui souhaitent faire travailler plusieurs entreprises ensemble qui ont les mêmes enjeux, finalement, enjeux en développement durable, en éco-responsabilité. Donc, va coordonner un projet, va travailler avec un expert qui va travailler avec différentes entreprises. Donc, c'est des projets qui permettent des échanges, bien sûr. Donc, très intéressant là, pour justement le transfert de connaissances, le partage de connaissances, mais aussi qui permettent des économies d'échelle. Donc, c'est des projets qui sont un tout petit peu plus complexes par la conception, mais qui permettent aussi d'avoir un plus gros volume. C'est la raison pour laquelle on a décidé de faire un webinaire spécifiquement sur ce volet-là, donc le volet 2 du programme de financement, pour vous expliquer le rôle du coordonnateur, comment ça fonctionne avec les entreprises, comment faire le recrutement, etc. Donc, on va en profiter pour répondre à toutes vos questions là-dessus. Puis, on sait que, notamment au niveau des experts, on avait quelques questions, donc... Mais c'est toujours de répondre quand il y a des choses un petit peu moins claires. Donc, le 2 juin, c'est à ne pas manquer. Deuxième question. Bon, bien, merci pour le commentaire. Qui est autorisé à faire les études? Des consultants certifiés par le Fonds Incubateur? Est-ce que ça pourrait être des étudiants? En fait, les experts du répertoire du Fonds Incubateur, première chose, le répertoire du Fonds Incubateur, ce n'est pas une certification. Donc, le Fonds Incubateur ne certifie pas les experts qui sont sur place, qui sont inscrits au répertoire. C'est un répertoire de type volontaire. On s'assure quand même, le CQDD, en fait, s'assure de faire un travail en amont pour voir effectivement si les groupes, si les entreprises inscrites réalise bel et bien des services dans ce domaine-là, mais effectivement, il ne s'agit pas d'une certification. Après, il y a différents éléments là, à considérer pour l'expertise et je crois qu'il y a une limite au niveau là, des travailleurs autonomes. Là. Je vois qu'il y a une question par rapport aux étudiants. Est-ce que tu veux répondre, Simon-Pierre, là-dessus? Tu as une précision? Pour ce qui est des travailleurs autonomes, en fait, oui, c'est des experts qui sont acceptés au même titre qu'une entreprise privée, qu'un OBNL et tout ça. Cependant, je dirais, pour ce qui est des étudiants, ben, ça serait de travailler à travers un expert ou une entreprise pour le dépôt de projet. Bien, le dépôt d'une offre de service dans le cadre d'un dépôt de projet. Moi, ce que je dirais, c'est que je vous invite à communiquer avec moi puis m'expliquer vos situations qui sont peut-être plus particulières là, puis m'expliquer vraiment bien votre contexte. Puis je serai en mesure de vous donner une réponse plus précise à cet effet-là. Rien n'est impossible, mais le cadre, comme exprimé par Amélie, là, est vraiment plus, on parle d'une entreprise ou d'un consultant en tant que travailleur autonome qui démontre son expertise à travers la réalisation de mandats relatif aux thématiques d'expertise en développement durable du Fonds Incubateur. Parfait. C'est possible d'écrire là, à l'adresse sur notre site web, mais en fait, là, pour contacter le Fonds Incubateur et puis on va s'assurer d'envoyer la question à Simon-Pierre sans problème. Une autre question qui disait le pourcentage pris en charge par le Fonds Incubateur est de 50 %, mais le montant remboursé dépend de l'ampleur du projet, j'imagine. Donc, effectivement, comment ça fonctionne, c'est que l'entreprise dépose finalement l'offre de service de l'expert
avec lequel elle veut faire affaire. C'est un expert qui doit être sur le répertoire d'experts du Fonds Écolidar, le répertoire volontaire, comme je disais. À ce moment-là, l'équipe d'analyse vérifie quelles sont les dépenses qui sont admissibles. Et c'est à ce moment-là qu'on peut calculer finalement le 50 % des dépenses admissibles dans le cadre du Fonds Écolidar. Donc, je vous encourage à aller voir le guide du demandeur sur le site web du Fonds Écolidar. Il y en a un pour le volet 1, donc projet individuel, volet 2, cohorte. Et puis, vous allez voir, tous les critères sont bien précisés. Pour plus de questions, les agents présents dans vos régions peuvent bien vous répondre. Encore une fois, possible d'aller voir sur le site du Fonds Écolidar pour trouver l'agent de votre région, là où les agents. Et il y a l'équipe du FAQDD aussi là, qui peut répondre à vos questions plus précises sur des projets. Je continue dans les questions. Il y a des merci, alors je vous réponds merci. Quel est le taux de conversion, c'est-à-dire combien de projets ont été réalisés suite aux études ou non réalisés car moins intéressants? Bien, ça, c'est le défi du Fonds Écolidar, en fait. Puis justement, on est en plein processus là, de suivi du projet. Comme vous l'avez bien compris, le Fonds Écolidar permet de réaliser des études, surtout dans le cadre des technologies propres. Donc, c'est des études préalables qui permettent d'éclairer la prise de décision, qui permettent d'aller chercher toutes les informations nécessaires pour l'entreprise pour voir si elle va passer à l'action ou non. Bien sûr, on souhaite qu'elle le fasse. Donc, quand il y a le dépôt de projet, quand le projet est terminé, la plupart du temps, bien, l'entreprise vient de recevoir finalement l'information et commence à se faire une tête sur la question. Donc, à ce moment-là, on ne sait pas toujours quelle est la décision de l'entreprise. Cependant, on est en train justement de monter là, finalement un processus pour aller valider un peu plus tard, voir comment la réflexion évolue, notamment via Écotech Québec, là, pour justement être capable d'aller voir justement ce taux de conversion. On demande toujours en rapport final, est-ce que des investissements sont prévus et si oui, de combien? La dernière fois que j'ai regardé, là, on était quelque part là, entre 15 et 20 millions d'investissements prévus quand même. Donc, c'est intéressant. On voit qu'il y a des choses, mais c'est ça, le Fonds Écolidar intervient à une période très, très préliminaire. Donc, après ça, c'est ça, notre système de suivi va nous permettre de vous sortir des chiffres là, qui sont bien sûr intéressants, puis voir notre impact réel. Autre chose intéressante, c'est qu'à la fin des projets de technologie propre, Écotech Québec, là, en collaboration avec les FAQDD, propose aussi des programmes de financement pour l'implantation. Donc, bien sûr, on n'arrête pas le suivi-là, on n'arrête pas les options. On veut offrir aux entreprises un maximum de chances de pouvoir aller de l'avant. Donc, il s'agit de programmes d'implantation fédéraux, provinciaux. On en profite là, dans les dettes pour offrir les options. Oui, juste à rajouter, Amélie, justement, on réfère des programmes d'implantation dans vos secteurs, dans vos domaines. Et pour justement le taux de conversion, je dirais, effectivement, on n'a pas encore les chiffres exacts, mais je dirais de ce que je vois avec les porteurs de projets, qu'il est quand même bon parce que ce qu'ils nous ont dit, les commentaires qui nous ont été faits, c'est que le Fonds Écolidar, ça aide à former la première pierre du projet. Donc, c'est sûr qu'il reste, c'est la première pierre, là, il y a le bâtiment au complet à bâtir après le Fonds Écolidar, mais c'est vraiment intéressant pour savoir où démarrer. Parce que des fois, on a une idée sur le projet qu'on souhaiterait mettre en place, mais on ne sait pas vraiment par où commencer. Par exemple, moi, j'aimerais installer des panneaux solaires sur mon toit, mais je ne sais pas vraiment si c'est une bonne idée. Le Fonds Écolidar permet vraiment en fait, d'aider à débroussailler ces idées reçues, puis d'avoir tous les éléments en main pour prendre la bonne décision à la fin. Merci beaucoup. On a une question justement sur l'admissibilité là, selon les catégories en technologie propre. Donc, la personne comprend bien le 35 000 $ qui est associé au projet d'études et de plan d'action, mais comprend un peu moins le 15 000 $ maximum associé à l'accompagnement. Audrey, est-ce que tu veux répondre? Oui. En fait, les études et plans d'action, c'est donc le 35 000 $ c'est vraiment pour faire une étude du projet ou une étude de faisabilité, tout ce que j'ai mentionné tantôt. Le 15 000, c'est pour s'il y a des accompagnements additionnels, par exemple dans la recherche de fournisseurs, par exemple si on veut faire des plans et devis, si on veut justement accompagner l'entreprise une fois qu'elle aura décidé d'implanter la technologie propre dans tout ce qui est
Gestion des plans, gestion des devis, gestion des fournisseurs, tableau d'aide à la décision. Donc, c'est pour accompagner l'entreprise un peu plus loin une fois que l'étude a été faite. Si on veut, l'étude, c'est le gros gâteau. Puis les services d'accompagnement, c'est un peu le glaçage qui vont faire en sorte que le gâteau sera beau et joli et puis prêt à être mangé par l'entreprise, si on veut. Donc, c'est vraiment tous les services connexes qui sont reliés au plan d'études pour que toute l'entreprise ait les cartes en main pour bien prendre sa décision. Et si vous voulez une liste un peu plus précise, en fait, je vous invite à consulter le guide du demandeur pour savoir si votre projet rentre dans les paramètres ou pas de ce qu'on considère comme service d'accompagnement. Parce que là, j'ai fait une définition générale, il y a des spécificités qui s'appliquent. Et puis, vous pouvez soit consulter le guide, soit nous contacter, parce qu'on est toujours bien sûr disponible pour répondre à vos questions dans le domaine. Génial, ça faisait le tour des questions, mais on en a beaucoup dans le Q&A, je pense. Ah ah, donc je vais ouvrir ça. Merci Audrey, c'est gentil. Je voyais dans le un Q&A. Petit rouge affiché, je pense que c'est le Q&A. Ouais, c'est ça. Bon point. Donc, la question, est-ce que l'argent du fonds provient du fonds vert? En fait, l'argent provient plutôt du ministère de l'économie et de l'innovation via un ancien plan d'action qui était le PATCP. Donc, c'est vraiment des actions provenant là, du MEI, en fait. Pouvez-vous répéter les limites de la subvention disponible totale pour une entreprise? Exemple, une entreprise soumet un premier projet, elle utilise le 35 000 $ pour une technologie propre, peut-elle déposer un deuxième, troisième, quatrième projet, etc. Je ne sais pas si tu veux répondre, Audrey, là-dessus. Sinon, je peux répondre aussi. Vas-y, c'est comme tu souhaites, là, mais... En fait, effectivement, il y a un maximum par projet, comme on le disait. Donc, effectivement, il y a un maximum par catégorie et par projet. Donc, par exemple, pour une étude, effectivement, étude, diagnostic, plan d'action, c'est jusqu'à 35 000 $ à 50 % des dépenses admissibles. Peut s'ajouter la catégorie accompagnement, donc pour une entreprise qui aurait le goût de faire les deux catégories. Donc, c'est à ce moment-là qu'on aurait un 35 000 plus 15 000 $ toujours à 50 % des demandes, des dépenses admissibles. Dans un cadre de technologie propre aussi, l'entreprise pourra déposer plus d'un projet. Et je vous invite encore une fois à suivre notre révision du programme de financement qui devrait arriver au début du mois de juin. C'est notre objectif. Et il y aura des modifications que je qualifierais de très intéressantes pour justement les entreprises qui sont intéressées à déposer des projets. Donc, infolettre et médias sociaux du Fonds Écolidaire, c'est la meilleure manière d'en savoir plus là-dessus. Autre question, quand croyez-vous que les bonifications annoncées par notre agent... Là... ah, ben voilà! Vous savez, c'est toujours des processus hein, au niveau de la modification. Donc, selon les plus récentes conversations que j'ai eues à ce sujet-là, on garde le cap pour le début du mois de juin. C'est notre objectif, si possible, de pouvoir en parler même au webinaire des cohortes. Maintenant, on n'est pas... il y a certains éléments qui ne sont pas entre nos mains. Donc, c'est notre objectif et les conversations m'ont permis de voir que le cap était toujours, l'objectif était toujours en vue. Donc, je vous inviterai à nous suivre en début juin là-dessus. La date de la prochaine cohorte. En fait, il y a une question concernant justement la date de la prochaine cohorte et les conditions d'admissibilité. Bien, les projets de cohorte, en fait, il y a plusieurs façons de joindre un projet de cohorte. Autrement dit, une organisation qui est un regroupement, qui est une entreprise, qui est un expert, peut décider de créer une cohorte. Donc, ça crée une occasion. Et après ça, de faire son recrutement pour aller chercher des cohortes qui sont intéressées à y participer. Le recrutement n'est pas financé dans le cadre du Fonds Éco-Leader, mais les agents du Fonds Éco-Leader sont bien au courant des cohortes qui sont disponibles là, dans leur région. Donc, c'est vraiment, je vous dirais de garder un œil puis de vous informer auprès des agents du Fonds Éco-Leader.
c'est ça, il y a deux options. Soit que vous pouvez générer une cohorte ou soit qu'il y a des options de justement d'autres entreprises qui en génèrent et là, vous pouvez la joindre tout simplement. Puis une cohorte peut avoir différentes thématiques. Certaines vont porter sur l'efficacité énergétique, d'autres sur la gestion des matières résiduelles ou d'autres seront plus sur les démarches de développement durable en général. Donc, à chaque cohorte, son secteur d'activité, les entreprises qu'elle souhaite viser, les régions qu'elle souhaite viser. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez devenir un coordonnateur de cohorte. Puis à ce moment-là, bien, vous pourriez mobiliser des entreprises autour de vous qui ont les mêmes réalités. Et là, vous seriez vraiment en contrôle de ce projet. On continue dans les questions. Lorsque vous mentionnez une mise à jour régulière des programmes de financement, est-ce que le fonds qui est proactif ou est-ce aux responsables de programmes qui doivent faire part des changements dans leur programme? Il s'agit ici d'un responsable de programme d'aide financière en efficacité énergétique chez Énergir. Donc, comment on fait part, comment les gestionnaires de programmes font part des modifications? Simon-Pierre, je te laisse répondre à cette question. Bien, en fait, la question est bien posée, c'est le Fonds Écolidaire à travers le CQDD. On a une procédure de mise à jour des programmes de financement que l'on propose sur notre plateforme web. Donc, on le fait de façon périodique, c'est-à-dire une fois par année, on va faire le tour de chacun de ces programmes de financement-là. On a un nom de contact, une personne là, qui est associée à ce programme-là dans les diverses institutions qui en sont responsables. Donc, dans votre cas, peut-être que votre nom et votre adresse courriel est listé et que vous êtes la personne que nous contacterons durant la prochaine année pour mettre à jour ces programmes-là. Cependant, si vous voulez le faire de façon volontaire, ça, c'est une situation qui est bien idéale. Donc, je vous invite, j'ai mis sur le chat, mon adresse courriel, je peux la répéter ici dans la réponse de votre question. Donc, contactez-moi, envoyez-moi vos informations. Je vous dirai quels sont les programmes qu'on a listés qui viennent de chez Énergir. Puis, on pourra regarder ensemble à les mettre à jour le cas échéant. Donc, merci beaucoup pour la proposition. Merveilleux. Puis au niveau du Fonds Écolidaire, ben oui, effectivement, dans notre programme de financement, mais pour nous, pour les agents, c'est tout aussi important de parler des options, des autres programmes de financement qui sont disponibles au fédéral, au provincial, au municipal, au régional. Parfois, c'est le Fonds Écolidaire la réponse. Parfois, ce sera d'autres programmes. L'important, c'est que ça réponde au mieux aux besoins des entreprises. Et puis, on est intéressé aussi, comme on me disait un peu plus tôt, à parler aussi des programmes pour l'implantation. Puis, on le fait là, via le programme notamment. Donc, voilà. Alors, j'ai regardé dans la question-réponse. Tout semble beau de ce côté-là. Ensuite, du côté du chat, voilà, il y a Jean-Charles qui se présente. Jean-Charles qui est agent en Abitibi-Témiscamingue. Donc, si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à le contacter. Puis encore une fois, le Fonds Écolidaire, la page web, facile de trouver votre agent. Contactez votre agent, vous trouverez numéro de téléphone, courriel. Et puis, c'est vraiment des gens qui connaissent extrêmement bien le milieu, qui sont intéressés à aider. Puis pour eux, je pense que leur plus grande motivation, c'est de pouvoir aider les entreprises puis de voir qu'ils ont fait une différence. Donc, vraiment, n'hésitez pas à ce niveau-là. Parfait. Alors, si c'est la fin, je vous souhaiterais une bonne fin de journée. Je remercie les conférenciers qui sont toujours aussi engagés pour faire bouger, pour aider les entreprises. Je remercie les participants. On voit une diversité là, des gens qui genre les programmes de financement, des experts, des entreprises, des agents sont là. Fait qu'on voit que l'écosystème est mobilisé. C'est un beau signal. Et on vous remercie de votre collaboration. Puis on est toujours ouvert à toutes les suggestions. N'hésitez jamais à nous contacter. Donc, mille merci à vous et bonne fin de journée. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, Amélie. Merci, Audrey. Au revoir.